Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. On est toujours dans le Molontari Express, le fameux train de luxe que nous allons, eh bien, encore une fois, un peu explorer puisque on avait rencontré la dernière fois une dame qui a perdu donc Tom et on va être à la recherche eh bien de Tom. Il va falloir trouver des indices. Donc eh ben déjà on va parler au professeur Chalmay qui se trouve juste là. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, monsieur inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert le journal de votre ami, le docteur Schrader. Il mentionne ce train dans le récit des derniers jours de sa vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne vous concerne rien, je ne peux rien vous dire de plus. En outre, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec ses chaussures et un nom pour ce indice, c'est loin d'être gagné. Luc et moi-même serions heureux de vous apporter notre aide. Oh, je n'en doute pas, je me suis renseigné sur vous, Layton. Il semblerait que vous ayez une certaine tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous valez en résolvant cette énigme. Allez, on est parti! Il faut qu'on montre à Chalmay ce qu'on vaut avec une énigme pour commencer cet épisode. Alors, dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. D'accord? Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre, le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Ok. Donc, au final, les chaussures valaient 30. On lui a donné 50. Donc il a été faire de la monnaie et il a rendu 20. Ok. Et après, le lendemain, l'autre vient avec un billet et bah, pour se faire excuser, il lui redonne 50. Donc déjà, il a perdu les 50 qu'il a redonné à la fin, ça c'est sûr. Bah non, en fait, les 50, il les a échangés. Au final, il a perdu que 30. Parce que la monnaie des 20, il l'a gardée. Attendez. Attendez. 30. Et il donne un 50. Mais elle lui avait donné un 50 aussi. C'était honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 pour s'excuser. Au final, l'échange entre les deux magasins, il a rien perdu. Sauf que du coup, pour se faire excuser, il a donné 50. Donc il a perdu 50, vu que déjà, il a donné ça pour s'excuser. Et en plus, il a perdu les 30, parce qu'il a fait une vente avec une... Moi, je dirais 80. Ouais, mais non, pas 80. Parce qu'au final, sur les 30... Non, pas 80. Parce que lui, il a touché les sous, quand même, des 30. Et il a rendu 20. Ah, au final, sur le premier échange, il a rien perdu. Parce qu'il a gagné les 30 de la dame, et les 20 qui étaient la monnaie restante, il l'a rendu, mais c'était lié à l'échange des 50 contre la monnaie. Et au final, il a juste donné un billet de 50. Bah, du coup, il a perdu 50. Vu qu'il lui, il l'a donné à sa voisine après. Oh, j'avoue qu'il y a de la réflexion sur celui-là. Voyons. Je suis pas sûr, hein. Ah oui. Eh ouais. Ah, au final, il a vendu, hein. Et il a gardé la monnaie. Ah. Les chaussures que la cliente avait emportées coûtaient 30. Le caissier a rendu 20 en monnaie à la cliente. Au total, l'indicatrice fait donc perdre 50 livres au caissier. Ce caissier a reçu 50 livres en vraie monnaie lorsqu'il a échangé le faux billet, c'est ça. Mais il a dû rembourser les deux transactions, s'annulent l'une l'autre, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Bien, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation, finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté, si ça vous chante. Ok. Bon, Shemley a pas l'air très décidé à nous aider. T'as autre chose à dire de plus? Non, je pense pas. Si vous retrouvez le petit garçon, allez vite prévenir Angela. Elle se trouve dans le wagon numéro 6. Ok. Alors, on va rentrer là. On dirait qu'il y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Ok. Ok, ok. Bon, bah là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de plus. Donc, on va revenir en arrière. Dans le wagon précédent. Tiens ! On n'avait jamais vu cette dame-là. Pardonnez-moi, madame. Avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici ? Non, je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure, je pense que je m'en serais souvenu. Bien, je vois. Merci de vous... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis vous demandez de m'aider à résoudre ce problème. Ah. Petite énigme pour nous. La 18. Oula, plein de chaussures. Voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement, une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussures droites... et chaussures gauche à chaque déplacement. De plus, vous ne pouvez pas traverser les murs, toucher les cases l'une après l'autre pour tracer le chemin à prendre. Ah, c'est marrant comme truc. C'est marrant comme truc. Ok. Ok, ok, ok. Donc, on est ici, on part d'ici, je suppose. Donc, soit on va là, là... Là, c'est droite, droite, donc on peut pas. Gauche, gauche, on peut pas. Donc, faudra qu'on monte. Faudra qu'on aille là. Après, on peut faire ça, ça, ça... Ça. Et là, on sera bloqué. On arrivera de là, on sera bloqué. Ok. Et si je pars par là, 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 là. Je peux aller là, là, là. Là, je suis bloqué. Là, je peux aller là. Là, je suis bloqué. Et j'ai vu, je pouvais aussi aller là. Là, là, là. Là. Ici, 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 ici. Ok, je l'ai. Donc c'était ça, 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 ça. Ça, ça. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Bah c'est bon. Ah oui, pardon, faut que je valide. Excuse-moi. Et voilà ma réponse. Hé, hé, hé. Tout est clair désormais. Parfait, parfait, parfait. Ce n'est pas très difficile si on avance un petit peu. Ouais, non, ça va, ça va, ça va. Eh bien, c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Hé, hé. Ok, bon, elle nous a pas beaucoup aidé. Alors, il y a une chambre ici. Ok, c'est la nôtre ici? Je sais plus si c'est la nôtre. Ah, en tout cas, il y a une énigme. Oh, Berthe, professeur, il y a des fourmis dans le sucrier. C'est malheureux, il me faudra chercher ailleurs lorsque j'aurai besoin de sucre dans mon thé. C'est étrange, malgré tout. Je me demande comment elles sont arrivées là. Ça me fait d'ailleurs penser à une énigme intéressante. Veux-tu l'entendre? Allez, allons-y. C'est à Luc de jouer cette fois-ci. Les fourmis ouvrières transportent sans répit leur nourriture jusqu'à la fourmilière. Un jour, l'une d'entre elles rapportait de la nourriture quand elle rencontra une de ses amies en chemin. D'accord. Et dis donc, tu sais que tu viens de prendre le chemin le plus long pour revenir à la fourmilière. La prochaine fois, réfléchis un peu plus. Ouais, les fourmis parlent comme ça. Sachant que la fourmi n'a jamais emprunté deux fois le même chemin, saurez-vous retracer son long itinéraire jusqu'à la fourmilière? Ah, ah, ok. La fourmilière, c'est là. Et la fourmi, elle part de là. Le plus long chemin. Pas un truc comme ça. Ah là, j'ai quasiment pris tous les bouts de chemin, hein. J'ai pas pris là, j'ai pas pris là.
Bah, si je prends là, c'est plus long que là, déjà. Là, c'est plus long que... Ah non! Ah oui, mais du coup, attends. Là, 1, 2, 3, 4. Alors que là, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2... Ah, il y a peut-être un chemin plus long. C'est celui qui fait ça. Ah ouais, mais non, du coup, je suis obligé de tracer là. Ah, je suis pas sûr que c'était plus long. Non, je pense pas que c'était plus long. Je pense pas. Je pense que celui que j'avais fait au début était très bien. On va essayer ça, vous savez quoi? Je l'ai fait assez rapidement, c'est peut-être pas ça. Hein. Ah non, il y a plus long. Il y a plus long. Je crois que je me suis trompé. Et essayez à nouveau. Ouais, pas de souci. Réessayez. Alors, attends. Ok. L'une d'entre elles rapportait de la nourriture quand elle rencontra une de ses amies en chemin. D'accord. J'ai pensé à ça. C'est carrément plus long, ça. Là, il y a 4 bouts que j'ai pas pris. C'est carrément plus long. On va essayer ça. On va essayer ça. Ah, du deuxième coup. Bon, ça va, je l'ai fait à peu près à l'instant parce que j'avais pas envie de prendre la tête de réfléchir. Ok, peut-être que son lourd fardeau a distrait cette fourmi et lui a fait oublier la route à suivre. Quel dommage d'avoir fait tout ce mal pour rien. Oh, bah voyons. Bravo, mon garçon. Les fourmis sont des insectes fascinants, mais je préfère de loin mon sucrier. Le suc de Monterey Express est tellement exceptionnel qu'il attire toutes les fourmis du coin. C'est possible. Ok, bon, petite énigme ici, mais globalement... Rien de ouf. Ok, y a pas des piécettes par là? On avait peut-être déjà récupéré les pièces. Mais je crois que c'est notre cabine ici, hein, non? Je me demande où ces petites bêtes sont entrées. Sacré fourmi. Ok, on va ressortir. A priori, y a pas grand-chose ici. Et on va essayer d'aller plus loin, du coup, reculer encore. Aïe, 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 je suis fini! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Y'a quoi? Oh, salut! Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces, mais j'en ai pas trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Comme vous dites, et si le Big Boss t'apprend, je vais me faire incendier. Oh, je viens d'avoir une super idée, je vais vous filer le machin de truc cassé. Ne vous en faites pas, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus et merci. Eh bien, revenez. L'option appareil photo est maintenant disponible. Ah! Ça, c'est cool. Vous obtenez un connecteur, ça permet de réparer l'appareil photo. L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise. Pour y accéder, il suffit de toucher la valise, puis l'appareil photo. D'accord. Attendez, on va aller voir ça. Appareil photo. Touchez les pièces situées en haut de l'écran pour les agrandir. Ensuite, faites glisser la pièce sélectionnée afin de la placer dans l'appareil photo. Modifiez l'orientation et la pièce à l'air du stylet. Touchez une pièce en son centre et faites-la glisser pour la déplacer. Touchez l'extrémité d'une pièce et utilisez le stylet pour la faire pivoter. Pour réparer l'appareil, vous devez réunir les 10 pièces manquantes et les placer correctement. Que se passera-t-il quand l'appareil photo sera réparé? C'est à vous de le découvrir. D'accord! Moi, j'y connais rien en photo. Comment je fais... Comment on fait pour tourner? Ah, comme ça. Je connais rien. On va le mettre là, de toute façon, il en faut 10 et j'en ai qu'une. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ok, donc du coup, on peut pas retourner plus en arrière. Eh ben, on va essayer de retourner un peu plus en avant. Donc là, c'est où on était au début. Donc, on va essayer d'avancer encore. Ok, on est dans le wagon restaurant. Y a quelqu'un ici, mais on peut pas trop lui parler. Et il y a les gens là-bas. Ah non, mais je voulais pas aller aux toilettes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des pommes?
Il me semble qu'il s'agit d'une casquette. Une casquette? J'ai même pas vu de casquette. Mais je doute que nous puissions l'atteindre d'ici. Cette casquette est peut-être celle de Tom, qui sait? Cette éventualité n'est pas à exclure, en effet. Et puisque nous parlons de casquette, vous connaissez cette énigme, professeur? Oh, c'est rare que ce soit Luc qui donne des énigmes au professeur. Oh, les casquettes! Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux, puis elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit « Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge. Ceux qui voient... » Ah oui, d'accord. « Et les autres auront un ballon bleu. Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge ?» Bah, quelques. Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants, donc c'est-à-dire plus que 1, ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge. Pour en voir 4 élèves. Mais quelques, en fait, c'est combien? Il y a combien de casquettes rouges? On sait pas combien il y a de casquettes rouges. Pour voir 4 casquettes rouges sur les 10, ça veut dire que déjà les 4 qui ont des casquettes rouges. Je veux dire, si tout le monde a des casquettes rouges, tout le monde voit 4 casquettes rouges. Donc tout le monde a un ballon. Mais là, pas tout le monde. Mais il y en a au moins 2 parce qu'elle a dit quelques. Il y a marqué quelques au pluriel. Donc s'il y en a 2. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est... Déjà, pour qu'il y en ait au moins 1 qui a un ballon, il y en a au moins 4 qui ont des casquettes rouges. Et s'ils sont 10, ça veut dire que les 6 autres, ils voient les casquettes rouges. Bah 6. Seuls quelques enfants. Bah pour qu'il y en ait au moins un qui ait une casquette rouge, il faut qu'il y ait un ballon rouge, il faut qu'il y ait 4 élèves. Au moins 4 élèves. Donc ça veut dire que ces 4-là... Bah 6 du coup j'aurais dit. Il y a un truc que je dois louper là. Parce que les 4 qui ont des casquettes rouges, les 6 autres les voient. C'est-à-dire qu'ils sont 6. Et même s'il y en a un 5e qui a une casquette rouge, il voit les 4 autres. Et du coup... les 4 autres rouges, eux, ils savent pas leur couleur, mais ils voient qu'il y a 4 autres rouges. Donc ça veut dire que tout le monde aurait un ballon rouge. Et là, c'est pas vrai. Donc si on veut qu'il y ait le moins de personnes possible qui aient de ballon rouge, mais qu'il y en ait au moins un, bah il y en a 6 pour moi. Pour moi, il y en a 6. Hop. Et ils voient tous les 4 mêmes. Ah! Bah je sais pas, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, ça doit être plus fourbe que ça. Mais bon, a priori, non. On sait que seuls quelques enfants ont reçu un ballon rouge et que certains d'entre eux n'en ont pas eu. C'est ça. Si 5 enfants ou plus avaient une casquette rouge, tous les enfants de la classe... Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, s'il y en avait 5, tout le monde aurait eu un ballon. Si 3, il y en aurait eu personne. Voilà. Donc, en fait, il y en avait 4. Donc, il y en a 6 qui les ont vus. Bah, c'est ce que j'ai dit. Mais ça me semblait... trop facile. Donc je me suis un petit peu pris la tête pour rien. Mince, j'étais pourtant sûr que j'allais enfin arriver à vous coller. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'instant, essayons de retrouver ce petit garçon. Vous avez raison, nous devrions nous remettre au travail. Au fait, à votre avis, comment Tom a-t-il pu se faufiler dans un endroit aussi étroit? Très bonne question.
La casquette. D'accord. Et j'ai même pas vu la casquette sur l'image tout à l'heure. Ah ah. Mais alors, si Tom, il est ici, peut-être que le cuistot, il l'a vu. Ah. Oh, c'était violent. Même pour Monsieur Beluga. Vous voulez dire qu'il s'énerve souvent comme ça, contre vous, comme ça? Contre moi ou contre les autres membres du personnel? Le patron n'est pas un homme facile à vivre. C'est terrible, vous ne devriez pas avoir à supporter ce genre de comportement au travail. Vous savez, il n'a pas forcément tort. C'est grâce au patron que ce train a acquis sa réputation. Comme il répète souvent, la qualité ne se vit pas, seule l'excellence compte. Même les assiettes que nous utilisons ont été spécialement créées pour ce train. Elles sont superbement ouvragées, même le dos des assiettes est finement décoré. D'accord, et donc, énigme suivante. L'assiette en face de vous porte une marque faite de deux triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Il est clair que le triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que le triangle. Hein, mais vous pouvez dire de combien de fois plus grand exactement? 4. Comment ça? Bah en fait c'est très simple. Non mais c'est vrai en plus. Parce que là si celui-là il touche les bords, ça veut dire que globalement on peut le tourner et on peut lui faire faire cette forme là. Et si ça vous dit pas... Ça vous fait pas penser à quelque chose? Une petite licence de Nintendo? Genre un petit Zelda, une petite Triforce, non? Non, non. Et donc, du coup, là, on voit qu'un triangle de cette taille-là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et donc, du coup, je dirais 4. Je dirais 4. Bim. Non, mais n'importe quoi. 4. Validé. Et voilà. Et voilà. Zelda. C'était pas si compliqué. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh, c'est exactement ce que j'ai fait. Eh, n'est pas professeur Layton qui veut. Eh bien, vous avez l'œil. Je me demande pourquoi ces assiettes déplaisent tellement à Monsieur Beluga. Aucune idée. J'imagine que les gens riches ont leurs propres critères. Ok, 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 ok. Et t'as rien de plus à nous dire? Le patron est parfois franchement assez bordel, mais dans l'ensemble, j'aime bien mon métier. Ok. Ok, ok, ok. Ah! Je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant ici. Ah bah ok, bah merci, on s'en va du coup. Alors, et moi je voulais parler à eux, mais en priori on peut pas leur parler. On va aller plus au fond encore. Ok, alors là on peut aller où? On peut aller à cette porte là. Ah, elle est là! On va lui parler, tiens. Mon bébé! Comment peut-elle dormir un moment pareil? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler après la disparition de son enfant. Allez, Luc, dépêchons-nous de retrouver Tom afin qu'elle puisse être apaisée. Ah, et c'est quoi les miettes, là? Oh, regardez ça, professeur, ce sont des restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité. Ceci dit, si c'est le cas, cet enfant manque cruellement d'éducation. Ah, petite piécette. Ah, enfin fouiller le sac. Ah, les fleurs. Ouah, ce vase a dû coûter une véritable fortune. Sans aucun doute. Cela dit, une décoration soignée fait des merveilles dans une pièce. Dis-moi, Luc, comment trouves-tu ces fleurs? Énigme 16. Bon, on fait plus les énigmes dans l'ordre, hein, c'est un petit peu... Parmi les images ABC, l'une est identique à l'image originale, apparaissant tout à gauche de l'écran, donc en gris. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir et que les couleurs ont été inversées par rapport à l'original et que l'original est en noir et blanc. Alors allez, ça fait beaucoup de différence, hein. Attends, les couleurs ont été inversées. Ok. Donc. Alors déjà, on va essayer de trouver les différences entre le ABC. Là, il y a une différence. Ici, ici... Ici. Les couleurs ont été inversées. Donc là, c'est noir. Enfin, c'est foncé, on va dire. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, clair, clair. Donc, déjà, on a éliminé la C. Et deuxième différence... Ah bah voilà, elle est là. Ah non, même pas. Du coup, ils ont la même aussi. Quelle est la différence?
Où est la différence? Ah, là, il y a un petit point. Et il n'y a pas l'air d'avoir de petit point sur le miroir, là. Donc, je dirais la A. Voilà ma réponse. Hey, hey, hey. Yes. Je suis le digne apprenti du professeur. Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est les deux trucs que j'ai regardés, effectivement. Mais, ouais. En fait, la fleur, elle avait la... Ouais, ok, ok, ok. Alors... Joli travail, mais il faut avouer que ce n'était pas très difficile. Allons, continuons. C'est parti. Bon, a priori, plus grand-chose à faire dans ce coin. Hop, des petits gâteaux. Oh, le vin, là. Non, mais oh. Bon, allez, on sort. On sort, on sort, on sort. Et... Bah, on va continuer d'avancer, du coup. Il serait pas allé au bout. Oh! Oh! Tout va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. Dites, j'ai l'impression de la connaître, pas vous. Maintenant que tu m'en parles, sa silhouette avait effectivement quelque chose de... familier. Ah ah! Bon, moi je sais qui c'est, hein, clairement. Donc, toi, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Tiens, c'est vous. Vous désirez un rafraîchissement ou peut-être un petit encart? Désolé, mademoiselle. Pour l'heure, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant. Auriez-vous vu un petit garçon se promener tout seul par ici? Un petit garçon? Non, désolé, monsieur, ça ne me dit rien du tout. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est perdu à bord du train? Oui, malheureusement, nous avons du mal à retrouver sa trace. Vous savez, je ne devrais sans doute pas répandre de telles rumeurs, mais bon, il y a une vieille dame un peu bizarre qui voyage dans ce compartiment. Et si elle avait capturé le petit et qu'elle le retenait en otage ici? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était vrai, elle est tellement bizarroïde que ça pourrait être crédible. Mais bon, je vais avoir des ennuis si je colporte des rumeurs sur les clients, alors je me tais. Une vieille femme étrange, hein? Je me demande si c'est celle à laquelle je le pense. Qui sait, Luc? On est en droit de se poser la question. Ce serait pas celle qui est là, et du coup je crois que c'est Mamie Mystère. Ah bah oui, c'est Mamie Mystère! Salut les jeunes! Ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté d'une énigme? Eh bien, ne craignez rien, la magnifique et extra lucide Mamie Mystère est là pour vous aider! J'en étais sûr, qui d'autre se promènerait avec cette petite maison? Et une seconde, qu'est-ce que vous faites à bord d'abord? Alors, tu as entendu parler de moi, mon petit? Contente de voir que j'ai toujours la cote! Évidemment que j'ai entendu parler de vous, on s'est déjà rencontrés, vous avez oublié? Aucune chance, je pense que tu me confonds avec une autre mamie, mon garçon, je ne l'ai jamais vue! Enfin, si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter mon petit discours, pas vrai? En fait, inutile d'être aussi timide, j'ai bien l'intention de vous remercier de votre visite. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. Ma spécialité, ce sont les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, ça arrive même au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté duquel vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles et je les invite à rester avec moi. Jetez un œil à ma réserve, vous y trouverez peut-être quelques énigmes délaissées. Si la rien est vide, vous n'aurez qu'à repasser plus tard. Allez voir vous-même si quelque chose vous attend dans la réserve. Et je crois qu'on avait déjà regardé l'autre jour et qu'il n'y avait plus rien. La réserve. Ok. Et vide. Ah bah oui, j'avais pas vu. Ok. Non, on avait bien vu qu'on n'avait rien loupé la dernière fois. Donc non, à mon avis, ce n'est pas elle qui a piqué l'enfant. Par contre, je vais revenir en arrière parce que la jeune dame qu'on a bousculée là. Hop. C'était ici, hein, je crois. Non, c'était pas ça. C'était... Hé, il n'y a plus les miettes! Eh, je l'avais dit au début, je sentais que c'était pas un enfant. Que c'était plutôt un chien ou un chat. Et la fille qu'on a croisée, là, qu'on semble connaître, comme de par hasard, elle avait un chien dans les mains. Ah, tiens, il y a le majordome qui est revenu. On va lui parler. Pardonnez-moi, monsieur, auriez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure? Je ne crois pas, non. Cela dit, il me semble avoir entendu un couple de passagers parler d'un enfant il y a peu. Voilà qui est intéressant. Sauriez-vous où nous pourrons trouver ces personnes, mon monsieur? Il me semble qu'ils occupent un compartiment dans le wagon 4. Pourquoi n'iriez-vous pas les voir? C'est une excellente idée. Merci de votre aide, monsieur. Allez, Luc, allons voir ce couple de passagers dans le wagon 4. Ah... Ok.
On avance, on avance. Alors, allons dans le wagon 4. Moi, je connais pas du tout les numéros des wagons, mais je crois que c'était celui où on était au tout début. Oui, c'était celui-là. Ok, bah on va rentrer là. Ah, on les a pas encore vus, eux. On les a pas encore vus. Eh bien, mon jeune ami, vous devez faire erreur. Ce compartiment est le nôtre. Pardonnez notre intrusion impromptue, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un bébé disparu. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oh, mon canard, il parle sans doute de cet adorable trésor que l'on a vu tout à l'heure. Ah oui, je me souviens. Un beau petit avec un regard voyant l'intelligence. Oh, alors vous avez vu le petit homme? Sa mère le recherche depuis un certain temps. Tom, hein? Je ne savais pas que c'était un garçon. Pour être franc, c'est un joli nom. Allons, mon canard, il me semble que nous avons vu une jeune fille, pas un garçon. Oui, peut-être. Il aurait pu s'agir d'une fille. Enfin, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas regardé de près, ben vrai. Alors là, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. De quoi parle-t-on exactement? J'ai bien peur que cette piste ne nous mène à rien, professeur. Au contraire, Luc, je crois que nous venons d'obtenir des informations capitales. Que voulez-vous dire, professeur? Tu verras, commençons par retourner sur les lieux de disparition de Tom. Ah. Je sais pas où est le disparu, moi. Donc, le monsieur, il disait « Ah, on peut pas savoir si c'était un garçon ou une fille tant qu'on n'a pas regardé de près. » Et la dame, elle disait « Mais c'est une jeune fille qu'on a croisée, pourtant. » Ah, inspecteur, vous voilà. Dites-moi, avez-vous progressé dans votre enquête sur la disparition de cet enfant? Vous essayez encore de retourner chaque meuble pour retrouver le moutard, tous les deux. Pardon, vous insinuez que le petit a été retrouvé? Non, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que cet enfant n'est plus à bord de ce train. J'ai interrogé tous les passagers et personne ne semble avoir vu se moufler. On peut donc en conclure que le pauvre gamin est descendu plus tôt ou qu'il est tombé du train. Tombé du train? Affirmatif, c'est une hypothèse parfaitement plausible. Les enfants ont une grosse tête, c'est une question de psychologie. Les enfants alors courir comme des retardés, et ça c'est une question de psychologie. Associez les deux et vous obtenez tous les ingrédients pour une catastrophe potentielle. Je contacterai les autorités compétentes au prochain arrêt pour organiser les recherches. Un instant, inspecteur. Les fenêtres de ces trains sont particulièrement hautes. En outre, toutes les issues sont verrouillées. Pensez-vous vraiment qu'un enfant aurait pu tenter de sortir sans attirer l'attention? J'ai compris. Allez-y, Letton. Je vous écoute. Où est passé le marmot, selon vous? J'ai bien peur de l'ignorer, mais j'ai le sentiment que nous sommes face à un beau quiproquo. Ou alors, vous ne manquez pas l'air. Enfin, si ça vous amuse, continuez à jouer détective. Sachez quand même que ça ne servira pas à grand-chose. Ah, Letton, il commence à avoir le flair. Hop, on va retourner voir. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a disparu, mais on va retourner voir la dame. C'était ici ou pas? Oui, c'était ici. Est-ce qu'on peut lui parler? Comment a-t-elle pu dormir un moment pareil? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler de la disparition de son enfant. Allez, Luc, dépêchons-nous de retrouver Tom avant qu'elle soit apaisée. Et je sais plus où est-ce qu'il a disparu, moi, Tom. Continuez de chercher Tom. Bon, bah, continuez de chercher Tom, alors. Ok, bah là, c'est Mamie Mystère, je crois. Ouais, c'est Mamie Mystère. Hop. On va aller jusqu'au bout. Ah tiens, lui, on ne l'avait pas vu, lui. Oh, les passagers! Désolé, monsieur, je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage. Vous-même n'êtes donc pas un passager? Oh non, non, je suis que le mécanicien. Je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais le moyen de tailler express est en pleine forme, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre, du coup j'invente des énigmes. Qu'en pensez-vous de celle-ci? Ah, petite énigme. Échappée sauvage. Après des années difficiles, un zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux. Privé de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage, tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs du zoo, puis touchez valider. Mais n'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux.
D'accord. Donc en gros, ok, ouais. En gros, s'il y a le lion et le lapin dans la même zone, faut peut-être se poser des questions si le lapin va rester vivant. Alors, bah on va regarder tout, hein. Alors, le panda. Tac 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 tac. Alors déjà, il est relié au crocodile, le panda. Bon, alors les deux, entre les deux, je sais pas s'ils se mangent. Parce que le panda, ça peut être assez violent quand même, hein. C'est un ours à la base. Et le crocodile, bah pareil, c'est un peu assez violent. Donc, de toute façon, le panda, il a pas d'autre chemin. Et le crocodile, pareil, donc il part là, il arrive là, tac tac tac. Par là où y a rien, et par là y a rien. Bon bah déjà, les deux là, ils vont rester dans le zoo, hein, déjà. Alors... Le petit tigre, là. Hop, tac, 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 tac. Ah bah, le tigre aussi, il va rester là. Alors, le lion. Hop, tac, 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 tac. Oh, tiens, le lion, il est avec le lapin. Au revoir, le lapin. Non, non, pas le lapin, surtout pas. Ok, et le lion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, le lion, c'est bon. Et la girafe. Et la girafe, la girafe. Eh ben la girafe, non. Ben y a que le lion. Oh. Y a que le lion. Voyons si ma théorie est la bonne. Hé hé hé. Sympa cette petite énigme là. J'aime bien. Ah, tout à fait remarquable. Eh ouais. Beau travail. Le seul animal qui retrouvera sa liberté sain et sauf est le lion. En effet, le lion et le lapin peuvent tous deux arriver à la sortie. Mais dès que le lion verra le lapin, il n'en fera qu'une bouchée. La nature est parfois cruelle. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez les énigmes aussi vite? Ah, excuse-moi, on est détective ou on ne l'est pas, hein, monsieur Anx. Bon, a priori, je suis parti du mauvais sens, hein, aussi. Donc, on va retourner en arrière. Hop. Où est-ce qu'il a disparu? C'était pas là. Ok, c'était peut-être encore avant. Ah, c'était là. Il y a un problème, mon garçon. Tu as l'air distrait. Je ne saurais pas l'expliquer, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange. J'ai moi aussi la même impression. Vous croyez que nous sommes suivis? On ne peut pas écarter cette possibilité. Garde bien les yeux ouverts, on ne sait jamais. Oh oh oh! Garde bien les yeux ouverts! Est-ce que tu vois cette chaussure en plein milieu du couloir? Ah, une chaussure! Hein? On dirait une des chaussures de Tom, vous ne trouvez pas? C'est probable, en effet. Mais c'est bizarre, cette chaussure est exactement identique à l'autre. Elle irait au même pied. Tu as raison. Ah, ah, ah! Ah, il a tilté, là, il a tilté, les Tom. Ça veut dire que le petit Tom est en réalité... Ha, ha, Luc, je crois que nous avons tous les deux commis une belle erreur de jugement. Vraiment? Laquelle? Essayons de récapituler les faits, tu veux bien? D'accord, voyons voir. L'inspecteur a trouvé une toute petite chaussure sur le sol. Exact, une chaussure pour bébé, si on en croit sa taille. Ensuite, nous avons trouvé une casquette dans la cuisine, mais elle était tombée dans un coin que même moi j'ai du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu se glisser jusqu'à là. Excellente observation. Pour atteindre cet endroit, Tom ne devait pas mesurer plus de la moitié de ta taille. Je ne me souviens pas avoir vu de garçon plus petit que moi, maintenant que vous m'en parlez. Moi non plus, c'est ce qui m'a amené à envisager une autre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans le savoir? Depuis le début, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant prénommé Tom. Et si nous avions tout faux? Si nous étions trompés dès le départ? Je crois que je vois où vous voulez en venir, professeur. La seconde chaussure était conçue pour un pied gauche, tout comme la première trouvée par l'inspecteur. Cette étrange paire de chaussures pourrait être un indice majeur. Et si Tom était... Mais qui est Tom? L'énigme 15. Tout le monde s'accorde à penser que Tom est un enfant, cependant le professeur Layton en doute fortement. Déplacer les pièces afin de créer un dessin en forme de plus. De plus? Ah oui, d'accord. Au milieu de la zone, ce dessin veut vous révéler la véritable identité de Tom. Ah mon dieu! Quel suspense incroyable! Bon allez, hein, on va pas te faire tarder les choses. Je pense qu'on a tous compris que Tom c'était un chien. Ah mais de... Ah d'accord, je pensais qu'on ça bougeait tout d'un seul coup. Ok.
Je sais pas comment faire. Non. Voilà. On va bouger ça. Hop. Bon, je pense pas que l'énigme là soit très compliquée. Je pense qu'elle est surtout là pour comment dire. Mince. Comment je fais? Voilà. Voilà. Déjà, cette pièce-là, elle est bien mise. Ensuite, on va faire ça et ça. Comment je peux faire, là? Eh, ça manque Kikine. Ça manque Kikine, non mais oh. Comment je peux faire? Faut que je mette un cube, là. Alors, j'avais dit l'énigme elle est pas compliquée parce que justement on s'en fiche de savoir qui est Tom vu que je pense que tout le monde a compris. Ok. Comment je fais pour amener un caillou? Ah! Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Voilà! Ah, mais non, il me manque le caillou d'en haut, du coup. Ah mince! Enfin, c'est pas des cailloux, mais je sais pas ce que c'est. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ah non, dommage! Attends. Allez, toi, mets-toi en haut. Toi, mets-toi là. Mais non, mais je refais la même chose que tout à l'heure, là. Ah! Sacré Tom! Il se cache bien, hein. Hop, hop. Bon, j'essaye de le faire un peu vite, hein. C'est pour ça que je réfléchis pas forcément. Ok. Ouais, mais du coup, là, il m'en manquait en haut, là-bas. Tac, tac. Faut que j'inverse ces deux-là, là, ils m'embêtent. Hop. Voilà. Hop. Ok, lui, il est bon. Tac. Va par là, va par là. Hop. Voilà. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Et du coup, j'ai juste à les resserrer de 1. Tous. Voilà. Ah, dis donc. Tom ressemble... Hé hey voilà. J'avais pas fini de mettre les petits bouts. Je suis le digne apprenti du professeur. Ah, bravo, Luc. Bravo, Luc. Beau travail! Tom est un chien! Tu te souviens de cette jeune fille que nous avons croisée? Elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien n'est autre que notre ami Tom. Donc si on veut retrouver Tom, on n'a plus qu'à retrouver cette fille. On décide de chercher la jeune fille qui a été vue avec un chien! Hé hé! Eh bien, c'est un gros indice. Bon... Clairement, je l'avais bien pressenti depuis le début, je l'ai dit dans l'épisode précédent. Mais du coup, maintenant, le professeur Layton et Luc le savent, donc ils ne cherchent plus un petit enfant, mais ils cherchent un chien. Et vu que le chien est avec la fille qu'on a cogné, enfin pas cogné, mais on s'est bousculé, on l'a cogné, bim. Non, faut être gentleman. On l'a bousculé, du coup, eh bien, on va essayer de continuer de chercher cette fille-là. En tout cas, on fera ça dans le prochain épisode, parce que celui-ci est déjà bien assez long. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas parce qu'on reste dans le train, mais au final, on fait quand même pas mal de choses, donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!